de Courbloc. On se retrouve pour un nouvel épisode de visite sur la flat grâce du flat public. Aujourd'hui, nous allons visiter un immeuble moderne, des appartements, enfin ouais, c'est un immeuble d'habitation moderne que j'avais commencé en live et qui était en briques d'ailleurs à la base sur le projet. Alors c'est une quasi reproduction, le projet sur lequel j'ai pris appui, dont je me suis inspiré. Était comme ça, mais en briques, à la place du bois gris. Finalement, je le trouve beaucoup plus moderne avec ce bois gris du flat pack. Pourquoi pas? Petite particularité, il est... Je sais pas comment dire. Très simple. Côté minimaliste, peut-être, un petit peu. Mais il est surtout très simple. Ah, c'est des gros rectangles tout con, hein, des gros pavés. Mais avec quelques touches qui font super moderne, comme la grande hauteur de vitre, je trouve, en glace panel un petit peu random, gris, blanc, noir. Et ces petites rainures qu'on voit. Et des petits trucs comme ça, ils sont tout bêtes. Il y a quelques détails qui font que je trouve qu'il est super moderne. Et bien sûr, le fait qu'il soit un peu surpiloti, surélevé, avec un rez-de-chaussée. Enfin, il n'y a pas vraiment de rez-de-chaussée. C'est un peu surpiloti. C'est la petite blagounette. Sinon, techniquement, comment ça fonctionne, comment c'est organisé, les appartements. En fait, vous avez ici, par exemple, on prend celui-là, je vais mettre le pointeur. Tout ceci, c'est un seul et même appartement. Le bas fait partie aussi de cet appartement, et il sert de pseudo-jardin, surtout d'aller pour garer la voiture, des trucs comme ça. Donc quand on rentre, nous avons ouais, le coin garage, on va dire. Oui, on peut dire ça comme ça. Et le truc qui était sympa dans ce projet, c'était ce côté un petit peu petite cour intérieure avec la petite coursive comme ça. Où donc on a des escaliers, évidemment, pour passer à l'étage. On arrive sur la petite coursive où on peut accéder aux différents appartements. Alors en l'occurrence, si on prend notre appartement, celui-là. Alors ils sont pas aménagés, hein, ça c'est normal. Mais ils sont en cours d'aménagement sur la ville de Lesia et de Naosol sur le serveur. Parce que bien sûr, je l'ai copié dans sa ville. Et il est en cours d'aménagement par des membres du serveur. Et donc, à l'intérieur, ils sont tous organisés comme ça. Donc, grande hauteur de plafond. Avec ces grandes baies vitrées hein, qu'on a vu au début. Grande hauteur de plafond. Un côté mezzanine pour mettre la chambre. Un escalier, simple mais design. Donc, avec ici, on dirait que oui, c'est le coin chambre, le coin nuit. Là, c'est parfait pour faire une cuisine. On peut rajouter des cloisons, évidemment. Et après, salon, tout le tintouin. Et avec cette hauteur de plafond, je pense qu'on peut bien s'amuser à faire des lustres un peu modernes s'il faut. Ou même du travail de plafond pour donner plus de relief, je ne sais pas. Mais ça peut être une idée. Et donc après, ça se répète, hein, évidemment. À droite et à gauche. Voilà, ça nous fait combien? Une dizaine d'appartements, je crois. Et c'est le même principe partout. Alors, il y a quelques petites variantes au niveau des portails. Bon, ça, à la rigueur, pourquoi pas. Au niveau des petites allées en herbe, là, vous voyez, ici, là, il n'y en a pas, là, c'est plus large, là, il n'y en a pas, bon. Il y a quelques petites variantes, et il y avait un truc que je trouvais super sympa sur le projet, ces avancées, là, ces pots de fleurs, si vous préférez, gros pots de fleurs, quand même, avec de la végétation, des petits arbustes, je trouvais ça plutôt sympathique. Mais ce que je trouve, moi, ce que je trouve bien, dans cette résidence, c'est le côté vraiment simple, limite minimaliste du bâtiment, le côté piloti. Et finalement, pas besoin de mettre grand chose pour faire un truc super moderne et super, super design. Petit travail de toit, hein, je ne l'ai pas montré. Classique. Petit travail de toit, un peu comme d'habitude. Ça fait son petit effet. Ah oui, et à l'intérieur, enfin, sur le côté court, coursive, j'ai mis des petites trappes d'or comme ça. Je trouve que, bah, comme d'habitude dans les trapdoors, ça fait des petites des fines lamelles comme ça. Ça peut faire des pare-soleil, mais surtout ça fait design, je trouve. Bref, je crois que j'ai tout dit sur ce bâtiment. Non, mais je vais pas vous montrer... Non, on s'en fout. Ouais, peu importe. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de visite sur ces deux immeubles, cette résidence. N'hésitez pas à partager, liker comme d'habitude. Des bisous et on se retrouve très bientôt. Salut, ciao.